Salut les sorciers, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en Question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Préparez-vous à embarquer pour une expédition scientifique en mer. Ensemble, nous allons lever le mystère sur la géologie du fond des océans. Ces endroits sont peu connus, pourtant ils concentrent des enjeux écologiques, économiques et de protection des populations. Il est donc essentiel de mener des études approfondies sur le terrain. Alors comment les scientifiques explorent ces zones difficiles d'accès? Qu'est-ce que cela nous apprend? Et concrètement, à quoi ça sert? Nous recevrons deux scientifiques du BRGM, une géologue et une sismologue passionnées par leur métier. Elles travaillent main dans la main pour améliorer nos connaissances du sous-sol marin et aussi perfectionner notre compréhension des risques naturels comme les séismes ou les tsunamis. Notre exploration des océans nous conduira aussi jusqu'au meilleur spot de surf, n'est-ce pas Marine? Oui, je vous révélerai où se forment les plus grosses vagues du monde et on verra que le relief sous-marin n'y est pas pour rien. Eh bien, on prend la vague et on rejoint tout de suite notre première invitée. Bonjour Isabelle Tinon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en Question. Merci. Vous êtes géologue, géophysicienne, experte dans l'acquisition, le traitement et l'interprétation des données marines au BRGM. Alors je le disais en intro, le fond des océans regroupe tout un tas d'enjeux très importants. Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui d'aller explorer et d'analyser le sous-sol du fond des océans? Alors les océans, en fait le sous-sol des fonds des océans, a autant d'enjeux que, qu'à terre, déjà. Ouais. Donc, connaître notre sous-sol ou l'architecture des formations géologiques et des structures nous permet de bien connaître ce domaine pour tout ce qui est protection de ce milieu, tout ce qui est, pour tout ce qui est ressources aussi, minérales, ressources en eau, ressources énergétiques. Ouais. Voilà, renouvelables par exemple, comme la géothermie, tout ce qui est stockage CO2. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est aménagement du territoire. Voilà. Donc, on pense à quoi par exemple? Les champs éoliennes offshore, ouais, actuellement, mais aussi tout ce qui est tunnel, par exemple le tunnel sous la Manche. Okay. Voilà. Et tout ce qui est construction de ponts aussi. Et puis, nous avons aussi, j'en oublie un, tout ce qui est aléas, pardon, ouais, les aléas et les risques associés au domaine maritime et puis au niveau du littoral. Et donc, on regarde aussi le continuum terre-mère. Okay. Si je résume grossièrement, c'est un peu savoir où on met les pieds. Tout à fait, ou le bateau. En l'occurrence. Voilà. Alors, la France est particulièrement concernée par ces enjeux parce qu'elle possède le deuxième plus grand espace maritime au monde, avec un littoral varié. Est-ce que la géologie suit la même variabilité? Vous avez à terre, par exemple, la géologie est très variée. Vous avez des domaines de socle, des domaines de bassins sédimentaires, voilà. Eh bien, on a tout aussi la même chose au niveau des fonds des océans à proximité de la Terre. Et donc, chaque endroit où vous travaillez, finalement, c'est à chaque fois un petit paquet cadeau que vous aurez, quoi. C'est une découverte à chaque fois. Alors, on regarde quand même ce qu'il y a à terre, oui, voilà. Et donc, ça nous donne une idée, quand okay même. Hein, voilà, en fait, l'objectif aussi, c'est de savoir si un objet géologique à terre se prolonge en mer aussi. Donc, et savoir un lien, voilà, entre la Terre et la mer. Le lien et comment il se poursuit et jusqu'où on va le retrouver. Ou alors, est-ce qu'il s'arrête peut-être? Je ne sais pas. Et donc, effectivement, ça peut être une découverte. Alors après, on n'est pas les premiers à ouais être sur ce territoire. Et donc, on fait toute une étude avant. Alors, votre terrain de jeu, c'est ce qu'on appelle le plateau continental. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. On va aller vérifier ça tout de suite. C'est le mot mystère du jour. Continental, oui. Plateau, oui. Mais ensemble, non. C'est quelque chose avec les différents continents qui bougent. Moi, ça me fait penser aux plaques tectoniques, tout ça. Un plateau, ça peut être un plateau. C'est un plateau, c'est grand. C'est là où il n'y a pas de montagne, un plateau, genre une plaine. Ça peut être le dessus des plaques tectoniques, je sais pas. Alors, ou plateau océanique, quand c'est au fond de la mer. Ça me parle de ZEE, là, en fait. C'est ça qui me... ZEE? Ouais. C'est les zones économiques exclusives. Et alors, attends, je ressors mon cours. En gros, c'est la zone maritime qui appartient à un État et il peut le contrôler et exploiter ses ressources. Et après, ils peuvent dépasser sur la mer haute quand ils négocient. Voilà. Oh,
Oh là là. Alors, Isabelle, est-ce que cette jeune femme dit vrai ? Eh ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Vraiment, je suis impressionnée par leur réponse. C'est pas si mal que ça, vraiment. Alors, on va prendre un schéma pour bien situer les choses. Vous allez nous expliquer. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on appelle le plateau continental ? Alors, il y a deux définitions dans le plateau continental. Okay. Il y a le plateau continental juridique. Ok. Voilà. Donc, ça qui fait référence aux zones économiques exclusives dont parlait la jeune femme. Tout à fait. C'est le territoire géré par la France, en fait. Donc, c'est là où s'appliquent les lois. Voilà. Et puis, vous avez l'autre définition qui est le plateau continental plutôt d'un point de vue objet géologique, morphologique et bathymétrique, enfin profondeur d'eau. Et donc, ce plateau continental géologique, on va dire, morphologique, est entre 0 et 200 mètres de profondeur d'eau. Et donc, c'est ce qui longe tout le littoral, voilà, autour de l'Hexagone, mais aussi autour des Outre-mer, enfin des îles de l'Outre-mer. Donc, dès que la profondeur dépasse 200 mètres, on ne parle plus de plateau continental ? Dès qu'on a une rupture de pente, et là, okay. On passe à la pente continentale, alors, c'est environ 200 mètres, hein, parce que tous les plateaux continentaux ne sont pas identiques dans le monde. Mais c'est lorsqu'on a un changement de pente. Plateau, effectivement, comme a dit madame, c'est vraiment un domaine très plat. Voilà, on va doucement jusqu'à 200 mètres. Et puis, vous avez alors, donc, la pente continentale qui est vraiment abrupte, supérieure à 1 degré. Et on passe de 200 mètres à 3000 mètres en peu de temps. Et là, on arrive dans les grands fonds des océans. La plaine abyssale, voilà, où on atteint 3000 à 4500 mètres. Et donc là, oui, plaine abyssale, quelqu'un évoquait plateau aussi très plat. C'est comme le plateau continental, mais des profondeurs plus importantes. Alors, on est d'accord, vous concentrez davantage sur le plateau continental. Oui. Hein. Oui. Et pourquoi cette zone en particulier, pourquoi il y a cette différence entre le plateau continental et plutôt la plaine abyssale ? Alors, pourquoi on s'y intéresse, nous, en fait, en BRGM ? Eh bien, c'est parce que c'est vraiment à la bordure, en fait, du domaine des terres émergées. Donc, c'est là où on a le prolongement de ces objets géologiques à terre. Et donc, c'est là où on a des besoins et des enjeux, en fait, de la société. Tout ce qui est protection du littoral, mais aussi aménagement du territoire, enfin tout ce qu'il y a là où il y a des enjeux. Là où il y a des activités un peu Activités humaines. Aussi humaines, oui, tout à fait. Alors, évidemment, étudier la géologie du fond des océans, c'est pas une mince affaire. Vous disposez d'outils très sophistiqués pour y parvenir. On découvre ça avec Lorraine, place aux sciences en action. Alors Isabelle Tinon, après avoir sillonné les côtes françaises pour mieux connaître la forme et le contenu de ces profondeurs, ça vous le faites en bateau, vous en arrivez à produire ce type de cartes qui sont très complètes, qu'on a peut-être parfois croisées dans nos salles de classe. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de ça en tout cas. Alors on va zoomer sur la partie centrale et on va se retrouver au-dessus de Belle-Île-en-Mer, au large de Vannes et de Lorient. Alors sur cette image, sur cette carte géologique, qu'est-ce qu'on voit Isabelle ? Alors là, c'est une carte géologique terre-mer, d'accord ? Et donc là, on voit bien le prolongement des objets géologiques. Alors, cette carte géologique, ce qui est représenté en couleur, ce sont les formations géologiques par rapport à des périodes géologiques. Voilà. Donc, ça veut dire que ça vient avec des âges. Voilà. Vous par avez rapport, un exemple d'âge ? Alors, tout ce qui est plutôt orange, jaune, c'est plutôt d'âge tertiaire, enfin dans le Cénozoïque. D'accord. Voilà. Donc, c'est... très ancien. 5 millions d'années, jusqu'à... 2,5 millions d'années. Et puis, tout ce qui est un peu coloré rose, bleu, c'est ce qu'on appelle le socle armoricain, plutôt roche magmatique métamorphique. Oui, parce que ça nous donne quand même une indication sur le type de roche qu'on a. Alors là, il n'y a pas la légende, mais théoriquement, on associe quand même un âge stratigraphique et une lithologie aussi. Une lithologie, c'est une nature de roche. Nature de roche. Oui. Ok. Et alors, on a calcaire, marne ou granit, pour ceux qui connaissent. Et on a aussi plein de petits traits, partout. Qu'est-ce que c'est que ces... Alors, ce sont les structures tectoniques, et là, tout particulièrement, il y a des failles, donc des plis. D'accord. Tout ce qui est déformation, c'est-à-dire que ce territoire a subi, durant la période que l'on appelle la période l'orogène pyrénéenne, dans la période pyrénéenne, a subi des déformations. C'est au moment de la formation des Pyrénées, c'est ça ? Oui. Okay.
Alors pour acquérir toutes ces informations, pouvoir les réunir dans une carte, vous allez d'abord sonder les entrailles du sous-sol et vous utilisez des ondes pour faire ça, on appelle ça de la sismique réflexion. On a un schéma, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche la sismique réflexion? Oui. Alors, bon, on a une tranche d'eau qui nous empêche de voir le socle et le sous-sol. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir les couches géologiques qu'il y a sous le fond marin. Donc, pour ça, on utilise, il nous faut un bateau, déjà, première chose. Et on utilise donc cette technique acoustique qui est la sismique réflexion. Donc, on provoque une onde acoustique qui va se propager dans les trois dimensions. Cette onde va se propager, va se réfléchir sur les différentes interfaces, donc sur le fond marin, mais aussi va pénétrer dans le sous-sol et va se réfléchir à chaque interface. Voilà. Et donc, ces ondes réfléchies vont revenir... ici, en rouge, c'est la source sismique qui envoie des ondes acoustiques. Et en vert, vous avez ici des capteurs qui vont enregistrer toutes les ondes acoustiques qui vont revenir. D'accord. Et donc après, c'est tout un travail de... Je dirais de... Parce que comment on différencie une onde... une onde d'une autre si ah, ben, on regarde le signal et on regarde aussi à la durée du trajet. Donc on a la réflexion, c'est un temps aller, un temps retour, et la distance, tout à fait. Et comment ça se fait qu'il y ait des ondes qui vont plus profondément que d'autres? Alors, c'est par rapport à la fréquence du signal. Donc, on joue là-dessus, c'est-à-dire lorsque... En fait, on choisit la source sismique en fonction de l'objet géologique que l'on veut voir. S'il est sur le fond marin ou s'il est enfoui, à différentes profondeurs, on va jouer sur la puissance de la source ou sur le type de source. Et donc, les hautes fréquences sont facilement absorbées, pénètrent peu, donc s'arrêtent. Mais par contre, les hautes fréquences donnent la bonne résolution et les basses fréquences font, elles, continuer. Okay. Et donc, on va avoir une basse résolution, mais ça va aller plus profond. Alors, avant d'avoir une très jolie carte complète, comme on a vu au début, vous obtenez des données à interpréter. Ça ressemble à ça. Là, ça paraît un peu abscon. Avec l'interprétation, déjà, on arrive à reconnaître des structures. Donc, vous avez proposé une interprétation qu'on voit ici. Comment on passe de l'un à l'autre? Alors, la première image, c'est une donnée de sismique réflexion traitée. Mmh. On a essayé d'enlever certains bruits ou en améliorer plutôt le signal par rapport au bruit. Oui, là, c'est déjà une image nettoyée. Nettoyée, un petit peu. Bon, il y a toujours des artefacts, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous avez le premier trait noir, là. Mmh. C'est le fond marin. OK, donc c'est une tranche du fond marin. C'est une tranche, oui. C'est comme si on avait un millefeuille, un gâteau. On coupe et on voit comment comment sont les couches du millefeuille. Oui. Tout à fait. Et donc, on a qu'une image en 2D. Tout à fait, ouais. Alors, parfois, on peut l'avoir en 3D. L'acquisition peut se faire en trois dimensions. Je vous présente juste une image en deux dimensions. Voilà. Mais alors, comment est-ce que vous savez qu'on a telle formation? Alors, celle en orange, celle en vert, celle... Comment est-ce qu'on fait ces distinguos? Tout d'abord, il y a un jeu de dessin. C'est-à-dire, on va suivre les réflecteurs, ce qu'on appelle, nous, les réflecteurs, les traits noirs, les traits... Chaque petite ligne, et puis on va voir leur interruption. D'accord. Sur le dessin, pas le dessin, l'acquisition en haut. Voilà, donc ça, là, il faut après l'interpréter. Okay. Donc, on a des concepts en géologie, et donc on va essayer de dessiner à partir de cette image. En fait, c'est comme si vous voyez, par exemple, une falaise, ou ne serait-ce qu'on va revenir au gâteau, vous coupez, vous avez un marbré, et vous dessinez par-dessus les différentes limites. Okay. C'est un peu ça. Donc, on fait un peu ça, Et donc, tout ce qui est les réflecteurs décalés, par exemple, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement. Des lignes que vous suivez. Et donc, ça, on l'interprète comme une faille potentielle qui a eu un mouvement subvertical. OK. Voilà. Et vous arrivez à anticiper, on va dire, le type de roche auquel vous avez affaire? Alors, ça, on fait de l'interprétation sismique. D'accord. C'est des suppositions. On fait d'abord de l'interprétation sismique qui ressemble à une coupe géologique. Et après, alors pour vraiment, on interprète, on suppose quel type de formation c'est en fonction du faciès. Ça dépend si on connaît bien la région ou pas. Mais on a quand même besoin de données géologiques. Et donc ça, c'est à ce moment-là que vous allez chercher dans le fond marin. C'est là où on va essayer de prélever des échantillons
à différents endroits, enfin là où on peut récupérer ces différentes couleurs. C'est-à-dire qu'on va aller chercher là où les différentes couleurs affleurent sur le fond marin. Ah oui, parce qu'elles passent les unes sous les autres, et donc il y a peut-être un endroit à quelques kilomètres plus loin où on va pouvoir récupérer. C'est ça, parfois elles sont inclinées, donc on peut comme ça remonter, on peut on va dire prélever, carotter, okay. Prélever, voilà, au fur et à mesure, et on essaye d'avoir la nature et l'âge. Alors vous m'avez dit, il y a deux types de carottage. Alors, il y a plusieurs types de prélèvements, mais dans les prélèvements, il y a le carottage. Et vous en utilisez deux en particulier. Voilà. Le sédimentaire, dont on a une vidéo, je crois, qui a été... Alors ça, c'était des prélèvements qui ne sont pas au large de l'Orient, non. Pour le coup, qui sont au large de Mayotte. Oui. Donc là, on récupère du sédiment, donc c'est des choses qui sont meubles, oui. C'est ça ? Oui, c'est mou, ouais, c'est un peu vase, sable, voilà. Ok. Et alors, il y a un deuxième type de prélèvement que vous utilisez davantage, qui s'appelle le prélèvement rocheux. Et alors, dans ce cas-là, vous allez chercher des cailloux dans le fond. C'est ça, carottier à sédiments. Donc c'est du sable, vase, meuble en fait. Voilà, on peut ramasser avec la petite cuillère. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis un carottier à roche, ça récupère des roches, mais quelque chose de dur. Donc des calcaires, on peut même ramasser des roches, des granites, du schiste. Voilà, on casse en fait. Voilà, cet échantillon permet de casser comme un marteau. Ça, c'est notre marteau. Vous essayez de récupérer. Voilà, c'est notre marteau. Bon, on l'a compris, vous ne faites pas des prélèvements partout, tous les 2 cm non. Du fond marin, ce serait impossible. Comment on fait ensuite, à partir de prélèvements qui sont répartis de façon homogène, pour avoir une carte continue? C'est encore une fois de la supposition? Alors, déjà là, par exemple, sur cette image, c'est une compilation de tous les échantillons qui ont eu lieu, qui ont été réalisés depuis 1960. Hein, donc, c'est une base de données assez riche, qui est d'accord. Un fauteur, voilà, qui est disponible. Et donc, on interroge toutes ces bases, déjà. Donc, on sait à peu près où se trouve le calcaire de 60 millions d'années ou le sable récent, en fait. Donc, on part déjà de là. Et puis, avec les données de sismique, qui nous donnent la géométrie des couches, et on sait à peu près quelles unités sismiques affleurent sur le fond marin, on essaye de corréler ces échantillons avec nos interprétations sismiques. OK. Et après, on dessine une carte. OK. Et si un jour, on veut mieux connaître un endroit, là, c'est... Il faut retourner. En fait, on essaye au fur et à mesure. On commence d'abord par acquérir des données de manière très lâche. Mm. Voilà. Et puis, la zone est complexe, donc on y retourne et on affine. Voilà, et on essaye. Et lorsqu'on fait de l'acquisition, on fait un peu la cartographie aussi pendant qu'on fait... Lorsque l'on fait de l'acquisition, on fait aussi... on fait de l'interprétation très rapidement et on fait une carte très rapidement à bord. Et comme ça, on essaye de réajuster un peu, le plan d'acquisition. Ouais. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans la cartographie de nos côtes? Alors, on a de disponibles sur la carte métropole, enfin sur la métropole, on a une carte géologique à l'échelle du million qui a été réalisée en 2003. Sur toutes nos côtes? Voilà, mais c'est une synthèse de l'état de la connaissance que l'on avait en 2000. Voilà. Il y a des zones que l'on ne connaît pas. D'accord. Mais on les a quand même remplies. Ou alors on met des légendes. Vous savez, on met... Aucune donnée, par exemple. Voilà, tout à fait. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail. S'il y a des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, il y aura encore du travail à faire. Alors Isabelle, est-ce qu'entre deux campagnes en mer, vous en profitez pour surfer un peu? Ah non, c'est pas mon point fort. Bon, dommage. Pourtant, je suis sûr que vous seriez capable d'identifier les meilleurs spots, car vous devez le savoir, la formation des vagues est intimement liée au relief sous-marin. Marine nous en dit plus dans le coup d'œil du jour. Depuis le début de l'émission, on explore les fonds marins, mais je me suis dit qu'on allait finir par manquer un peu d'air, alors je vous ramène 2 minutes à la surface pour vous parler des vagues. Et pas n'importe quelle vague, les plus grosses vagues du monde, celles que les meilleurs surfeurs et surfeuses rêvent de dompter. Évidemment, j'exclus les tsunamis, c'est vrai qu'ils sont encore plus gros, mais d'abord ce ne sont pas vraiment des vagues, ce sont plutôt de grosses marées. Et ensuite, personne n'a envie de surfer sur les tsunamis, c'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça. Donc moi je parle des énormes rouleaux qu'on voit par exemple sur les plages de Polynésie ou de Californie. D'ailleurs, est-ce que vous savez où se forment les plus grosses vagues du monde? Biscarros?
Non, elle se forme au Portugal, dans la ville de Nazaré, et plus précisément sur la plage du Nord, la Praia do Norte, pardon pour mon accent. Là-bas, les vagues font souvent plus de 30 mètres de haut, et c'est sur cette plage que s'est formée la plus haute vague jamais surfée. C'est l'Allemand Sebastian Steutner qui détient ce record, après avoir surfé une vague de 26,2 mètres en 2020. 26,2 mètres, c'est à peu près la taille d'un immeuble de 8 étages. Voilà, rien que ça. Ok, et pourquoi c'est les plus grandes qui sont là-bas, à cet endroit précisément ? Alors pour comprendre ça, il faut déjà savoir comment se forment les vagues. Une vague, elle naît en pleine mer, loin de la côte, quand le vent souffle assez fort et assez longtemps. C'est une onde créée par le vent et qui se propage dans l'eau. En s'approchant des côtes, la profondeur de l'eau diminue parce que le fond marin remonte et la vague vient buter sur le fond marin. C'est comme quand vous courez et que vous trébuchez sur un obstacle, le haut de votre corps continue d'avancer, vous basculez en avant et vous vous écroulez par terre. La vague, c'est pareil, le fond marin casse son élan, elle se creuse et elle se brise en avant. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à Nazaré alors ? Alors à Nazaré, il y a deux grands facteurs qui jouent sur la taille des vagues. Le premier, c'est le vent. Le Portugal est bordé par l'océan Atlantique où il y a des vents puissants, surtout en automne et en hiver, ce qui favorise les grosses vagues. Et surtout, le deuxième facteur, c'est la forme du fond marin. À Nazaré, ce n'est pas une pente douce qui remonte jusqu'aux côtes et qui ralentit progressivement les vagues. Non, il y a un gigantesque canyon sous-marin, très profond, jusqu'à 5 km, et qui s'arrête brutalement juste avant la plage. Donc quand les vagues arrivent au niveau de ce canyon très profond, comme le fond marin ne remonte pas, elles gardent leur vitesse jusqu'à ce qu'elles soient stoppées net à la fin du canyon. Cette fois-ci, c'est comme si vous étiez à moto à 200 km/h et que vous percutiez un plot en béton. Vous êtes projeté très haut et très loin en avant. Là, c'est pareil. À la fin du canyon, le fond remonte d'un coup et c'est la vitesse couplée au changement brutal de profondeur qui crée d'énormes vagues. En France aussi, on a des grands canyons sous-marins, non ? Oui, tout à fait. Le plus connu, c'est le Gouffre de Cap-Breton. Il se trouve lui aussi dans l'Atlantique, dans le golfe de Gascogne qu'on citait. Et donc, on observe un peu les mêmes effets sur les vagues. D'ailleurs, près de ce canyon, il y a un spot de surf réputé mondialement à Hossegor, dans les Landes. C'est une plage qu'on appelle la Nord et c'est un peu notre Praia do Norte à nous, même si les vagues sont loin d'être aussi grosses qu'à Nazaré. Et puisqu'on parle des meilleurs spots, on peut aussi citer le lieu qui a été retenu pour accueillir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de 2024. C'est la ville de Teahupo'o en Polynésie française, et c'est l'un des endroits les plus dangereux pour surfer à cause de la faible profondeur d'eau. Et là aussi, il y a un canyon sous-marin ? Non, là-bas, c'est une barrière de corail qui joue le rôle d'obstacle et qui crée de très grosses vagues. En tout cas, la leçon à retenir, c'est que si on veut comprendre ce qu'on voit à la surface de la mer, c'est toujours utile de regarder ce qui se passe en dessous. Bon. En tout cas, c'est impressionnant, c'est fascinant. Merci Marine. Le surf, non, ça vous a jamais tenté alors ? Si, j'ai essayé, ouais. Mais je ne suis pas douée. Alors ? Et est-ce qu'à l'inverse, parfois on observe la surface ou les vagues pour déduire ce qui se passe au niveau du fond marin ? Alors oui, tout à fait. Bah oui, c'est l'image du fond marin. On l'a utilisé nous en Guyane, voilà, au niveau du Maroni, même au niveau du fleuve du Maroni, et parce que les fonds marins, enfin les profondeurs d'eau changent souvent. Il y a des dunes qui changent de place. Et donc, on a eu la chance d'avoir des personnes, mes collègues en fait, qui sont en local, et puis aussi des locaux en fait, qui connaissent très très bien ces fleuves. Voilà. Et donc, ils nous aidaient. Alors, ils nous disaient, en regardant la surface de l'eau, ils nous disaient non, allez à droite, allez à gauche. Voilà. Okay. Donc, ça nous a permis d'éviter d'échouer. C'est bien, bien pratique. C'est quand même assez précis pour avoir comme ça des indications. En tout cas, oui, eux, ils savent. Voilà. Nous, on avait un sondeur derrière et il savait exactement si, voilà, très bien, s'il y avait des remontées ou pas. Bon, bah merci Marine, en tout cas pour ces spots, hein, on ira y faire un tour. Alors la géologie du fond des océans est associée à de nombreux aléas naturels comme les tremblements de terre ou les tsunamis. Ces dangers peuvent menacer les habitants du littoral ou des îles. Notre prochaine invitée travaille donc main dans la main avec vous au BRGM pour améliorer la compréhension de ces phénomènes naturels et anticiper leur impact. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Anne Lemoine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sciences en Question. Alors vous êtes sismologue et vous travaillez avec Isabelle au BRGM. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'inviter Anne comme invitée coup de cœur ? Eh bien actuellement, on a un projet d'améliorer la carte géologique, mais d'identifier en fait les failles tectoniques, ouais, tout autour de la métropole, en fait, d'améliorer et de proposer un schéma structural convenable. Et tout naturellement, en fait, on s'intéresse à la sismicité, enfin, au jeu de ces failles, et donc il me fallait une sismologue. Donc j'ai pensé à Anne. Et vous en aviez une sous la main. Oui, voilà, et ça fait depuis mai 2018, on travaille ensemble, voilà,
Ça va, sur la pas crise volcanique de Mayotte. Pas trop de tension, ça se passe bien entre on vous. On continue, donc ça va. On a fait quelques missions en mer assez longues, donc ça devrait le faire. Hein. Voilà. Et quelques projets aussi, quelques montages de projets ensemble, donc voilà. Très bien. Alors Anne, en tant que sismologue, évidemment, vous étudiez les tremblements de terre. On va regarder une carte tout de suite. Vous allez nous décrire un peu ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? En fait, cette carte représente le zonage en cours et en vigueur, le zonage sismique réglementaire de la France. Donc ça cartographie en gros l'intensité en quelque sorte de la sismicité, aussi bien pour l'Hexagone que pour les territoires d'outre-mer. Donc c'est-à-dire concrètement les zones les plus à risque, là où on voilà, peut trouver... Alors là, dans ce découpage-là, on associe à une couleur un niveau de sismicité. Donc il y a 5 niveaux d'une sismicité considérée comme très faible d'après le modèle qui a été établi, ouais. Qui intègre tout un tas de données. Donc, par exemple, dans le bassin parisien, on est associé à une zone de sismicité très faible jusqu'à une zone de sismicité forte, et ça concerne en particulier les Antilles. Et puis, il y a des niveaux intermédiaires avec, par exemple, l'ouest de la Bretagne, là, qui est associé à une zone de sismicité faible, modérée pour la zone des Charentes. Et puis, donc, toute une déclinaison de ce niveau de sismicité dont on va en déduire après des niveaux d'agression pour caractériser un petit peu le mouvement sismique qu'on peut attendre en fonction d'un contexte géologique et tectonique. Et donc, la législation répond à ces niveaux-là. Okay. Ça prend en compte à la fois la fréquence des séismes et leur magnitude, enfin leur intensité. Oui. Ok. Tout à fait. Alors on voit que l'outre-mer est beaucoup plus concerné, en tout cas, est dans des zones de sismicité plus importantes, plus fortes, plus élevées que l'Hexagone. Mais néanmoins, en France, on a aussi des exemples de séismes. Il y a un historique. Est-ce que vous avez des exemples récents à nous donner ? Oui, tout à fait. Alors, en juin 2023, il y a eu un séisme, par exemple, assez proche de Niort. On appelle ouais. le séisme de la Laigne. Donc là, on est bien dans la zone qui est un peu orangée. Oui, qui est autour de la Vendée, de la Charente. Et donc, c'était un séisme de magnitude 4,9 ouais. estimé, et qui a généré des dégâts modérés. Et en 2019 aussi, s'est produit un événement au Teil, qui est une commune dans la Drôme. Ouais. Je crois. Et magnitude 5, avec des bâtiments endommagés également. Donc, au cours du temps, cette sismicité de l'Hexagone n'est pas très intense, même si elle est hétérogène, telle qu'on le voit sur cette carte. Mais on répertorie, on constate qu'il y a un certain nombre d'événements de magnitude pouvant générer un certain niveau de dégâts. Ok, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable. Et notre travail est de comprendre. Dans un site donné, quel est le potentiel, on appelle ça le potentiel sismogène de cette région-là, et pour établir ce potentiel sismogène qui nous permet d'estimer un impact potentiel, on a besoin d'avoir des catalogues de sismicité sur une longue période de temps, d'avoir des cartes de failles potentiellement actives, voilà. Et alors, sur quelles informations vous appuyez ? Vous avez commencé à nous parler de catalogues, quelles informations vous avez besoin pour pouvoir avoir une connaissance plus fine de cet aléa sismique ? Alors, dans l'idéal, on aimerait avoir un catalogue, c'est-à-dire une liste d'événements, l'histoire sismique d'une région, qui intègre tout ce que peut produire une région. Alors, on voit que sur cette carte, on a quand même des données qui remontent à il y a 1000 ans. Alors ça, c'est un catalogue de sismicité historique, effectivement, qui en France remonte à 1000 ans et qui, à partir de témoignages contemporains des séismes, on recherche des témoignages de ressentis d'un séisme, on quantifie ces témoignages en termes de niveau d'intensité ouais. du mouvement sismique ou des dégâts observés, et on en revient à établir une liste d'événements historiques. Et donc... cette méthodologie de traitement et d'analyse de la sismicité historique précède la période qu'on dit instrumentale. D'accord, donc là on a une autre carte qui va le montrer, là où on voit, voilà, là c'est quoi ? C'est les séismes qui ont été enregistrés par des stations de mesure, en fait. Voilà, des stations géophysiques, des sismomètres. Donc ça c'est une carte qui établit le catalogue pour la France hexagonale à partir de 1962. Et seulement, en particulier dans une zone intraplaque, le potentiel sismogénique d'une région va dépendre
va évoluer en fonction de la période d'observation. Mmh. Et si on veut avoir une belle image, une bonne représentativité d'un potentiel sismogénique, on a besoin de considérer des temps géologiques. Et à l'échelle des temps géologiques, la période instrumentale est très courte. Donc on a besoin de revenir dans le passé pour être sûr, entre guillemets, de ne pas rater un événement important qui se serait produit. Et dans des zones en particulier dans des zones intraplaques comme en France hexagonale, même la période historique peut être trop courte pour répertorier des événements et on peut remonter vers des périodes précédant cette période historique et aller vers la paléosismologie à partir d'échantillonnages de failles, de plans de failles, où on va repérer des événements passés. Donc là, ça veut dire qu'on va sur le terrain, on regarde, on échantillonne, et on peut faire des carottages éventuellement pour... En mer, on peut éventuellement carotter, oui. Alors justement, j'allais y venir, parce que là, ces données, elles sont plutôt précises et bien détaillées à terre. Qu'est-ce qu'il en est en mer ? En particulier sur la période instrumentale. Ouais. Donc effectivement, les sismomètres sont principalement distribués et installés à terre. Donc il existe des outils, les sismomètres de fond de mer, que l'on peut déployer au fond de l'océan. Mais à part quelques exceptions où ces sismomètres de fond de mer peuvent être reliés à terre pour qu'on puisse les interroger en temps réel et localiser de manière régulière les tremblements de terre, la plupart du temps, ces sismomètres de fond de mer, on les déploie, c'est-à-dire qu'on les dépose au fond de la mer. On attend quelques mois, quelques semaines qu'ils enregistrent et on les récupère. Ok, c'est des choses provisoires. Par contre, il y a énormément de développements qui sont faits pour améliorer, parce qu'on a bien conscience du fait qu'on est dans une limite un petit peu de ce que peuvent apporter les réseaux à terre, en tout cas que les réseaux en mer compléteraient de manière extraordinaire la connaissance qu'on a de la sismicité. Donc il y a des développements qui sont en cours. Et par exemple, parmi le consortium français qui gère un petit peu l'instrumentation en sismologie, ce qui s'appelle EPOS France, il y a des développements pour développer la sismicité de fond de mer. La sismologie de fond de mer, pardon. Alors vous le disiez, à terre, on peut aller aussi échantillonner, observer des plans de failles, etc. En mer, c'est plus difficile. Est-ce que c'est là qu'intervient Isabelle et qu'elle peut vous aider à compléter les informations, peut-être, j'imagine, avec des failles qui commencent à terre, qui se terminent en mer Mais tout à fait. Les cartes qu'elle vous a montrées ou qu'elle établit, ou alors même l'analyse des profils sismiques qui permet de voir si une structure, une faille, est active à l'heure actuelle ou semble scellée, ne plus être active depuis très longtemps. C'est des informations pour nous qui sont primordiales. Et donc nous, on a des outils qui permettent d'identifier la mécanique à l'origine du tremblement de terre qui nous intéresse. Mais on a besoin de confronter ces données-là avec des données de structurales concernant la géométrie, le fonctionnement et l'activité des failles. Et pour cela, on a besoin de parler avec des géologues. Et, voilà. Et en mer, effectivement, les outils dont a parlé Isabelle sont très intéressants, parce qu'on peut avoir la vision de la répartition puis de l'ancrage en profondeur aussi de certaines structures et de leur activité. Et est-ce que vous, Isabelle, à l'inverse, vous pouvez avoir besoin des travaux de Anne pour pouvoir faire votre travail d'étude de la géologie des fonds marins ? Oui, parce que moi, j'espérais que la sismicité, enfin la sismologie, me permettait de localiser la faille active. Ok. Pourquoi ? Parce que la sismique réflexion, enfin les profils de sismique réflexion nous montrent la géométrie, donc de failles, par exemple de failles. Avec des carottages, on arrive à dater les derniers événements. Potentiellement, on estime le dernier mouvement de cette faille, par exemple. Mais on ne tombe pas forcément sur la faille qui est active ou qui a généré le séisme en question. Et donc, j'attends de la sismologie que on me localise bien le séisme et qu'on me donne la profondeur de ce séisme et qu'on me donne aussi le mécanisme au foyer de ce séisme. Alors ça, c'est faisable, mais il faut avoir le réseau adapté. Vous faites un peu face à vos limites dans votre domaine, discute, en fait. C'est ça. On est décevant. Non, on essaye avec nos différentes thématiques, d'éliminer des hypothèses de travail. Ouais. Et petit à petit, en discutant, en apportant
des éléments différents, de différentes sources, en fait, on arrive à contraindre mieux et à éliminer des hypothèses. Pourquoi c'est intéressant pour vous de savoir les failles qui sont actives? Qu'est-ce que ça vous apporte comme info sur la composition du sous-sol? Je veux savoir où est la faille active, en fait. Mais pour aller chercher dedans, pour aller... Non, pour la localiser. Parce qu'en fait, par exemple, comme vous l'avez dit, il faut... nous, on doit faire beaucoup de profils sismiques. Le plateau continental est large et très étendu. Et il faudrait plusieurs vies pour vraiment bien serrer tout ce plateau. Et donc, si on peut savoir où se trouve à peu près une faille potentiellement active, on y va directement. On fait l'acquisition dessus. Oui, de cartographier un endroit à enjeu. Donc, par exemple, dans des zones qui sont beaucoup plus instrumentées, Anne m'a localisé des séismes. Et alors, on a fait une estimation, une hypothèse comme quoi la faille était à l'aplomb de ce séisme, ce qui n'est pas vraiment juste, mais on part de là. Et donc, on a fait une acquisition sismique, de sismique réflexion, et on a regardé les couches qu'il y avait. Et on a essayé de voir s'il y avait une faille ou deux. Alors Anne, vous étudiez pas seulement l'aléa sismique, vous étudiez aussi l'aléa tsunami. Et qui l'eût cru, la France n'est pas à l'abri d'un événement de ce type. Mais est-ce que les citoyens en ont conscience? Lorraine est allée vérifier, regardez. Mais je pense pas qu'il y ait une crise de tsunami. On pense, je pense que les tsunamis, c'est provoqué par les volcans sous-marins. En fait, j'en sais rien, parce que je ne sais pas où sont placées les plaques. Je sais qu'il y a peut-être un petit risque de tremblement de terre, mais surtout dans le sud, parce que je crois qu'il y a deux plaques quand même, la plaque africaine et puis la plaque européenne là, qui se touchent. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait de quoi provoquer un tsunami. En France, non, je ne crois pas du tout. Si tu dis qu'il y en a un peu, est-ce que tu pourrais imaginer dans quel coin? Je sais pas, je dirais vers la Bretagne, Normandie, peut-être Guadeloupe, Martinique, tout ça, non? Oui, là, j'imagine, de toute façon, dès qu'on est sur une petite île, il y a plus de risques, évidemment, ça me paraît. Est-ce qu'il y a plus de risques en Corse, du coup? Bonne question. Mais il me semble qu'il y a déjà eu des tsunamis, pas récemment en France, mais il me semble qu'il y en a déjà eu dans l'histoire. Ça peut pas être en Méditerranée? Non, c'est pas en Méditerranée. Du coup, c'est forcément sur l'Atlantique. Forcément Atlantique. Donc l'Atlantique peut avoir des tsunamis. Mais là, elle sourit trop pour que ce soit vrai. donc c'est la Méditerranée. Alors, verdict, Anne, est-ce que c'est la Méditerranée, l'Atlantique, les Antilles? Où est-ce qu'on a le plus de risques de tsunamis en France? Alors, pour cela, pour répondre à ce genre de questions, on a besoin, encore une fois, d'aller vers des catalogues et d'essayer de retrouver des événements. Si des événements passés sur les différents littoraux ont été observés. Et pour ça, on part d'un catalogue établi, comme pour la sismicité historique, par des historiens, d'accord, qui répertorient des événements passés. Et alors, effectivement, en Méditerranée, il y a des événements répertoriés, des tsunamis, donc comme par exemple en 1887, c'est généré au large d'Imperia. Donc Imperia, c'est une commune en Italie, à l'est de Nice, un séisme de magnitude 6,7, je crois, dans mon souvenir, d'accord, avec une certaine incertitude, bien sûr, sur la magnitude. Et ça a généré un tsunami avec une hauteur d'eau estimée aux alentours. C'est très hétérogène, les impacts, mais vers à peu près un mètre repéré sur certaines communes. Et ça suffit un mètre pour faire des dégâts? Alors ça suffit, ça dépend encore une fois du lieu. Si ça arrive face à une falaise, effectivement là il n'y a pas tellement d'enjeux, il n'y a pas de danger. Si on a un tsunami qui arrive en près de la côte à une hauteur de 1 mètre et qu'une plage est à côté ou des bâtiments importants en jeu s'y retrouvent, c'est des choses qu'il faut considérer. Il se trouve aussi qu'il y a un système d'alerte au tsunami. Oui, qui a été testé. Qui fonctionne très bien, qui est géré par le CEA, qui s'appelle le CENALT et qui s'occupe en particulier de l'ouest de la Méditerranée. Mm-hmm. Et donc, dans d'autres bassins qui concernent, où sont présents des territoires français. Des tsunamis ont aussi été répertoriés. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de l'événement de Lisbonne en 1755, qui est un grand tremblement de terre qui s'est généré au large de Gibraltar.
magnitude à peu près 8,5, et suivi d'un tsunami qui a traversé l'océan Atlantique et qui a en particulier impacté les Antilles. Et puis qui est allé se propager et qui a été observé même jusque en Irlande ou en Cornouaille. Et donc, quand on parle de tsunami, on s'intéresse aux sources qui peuvent générer un tsunami. Ça peut être des tremblements de terre, un phénomène volcanique, comme au Krakatoa. Est-ce que le relief des fonds marins peut aussi amplifier ou générer quelque chose qui, à la base, ne devait pas devenir un tsunami devient un tsunami parce que, je ne sais pas, il y a des phénomènes de résonance dans le sol ou des choses comme ça qui... Alors, il peut y avoir des glissements, par exemple un séisme qui va déstabiliser une couche sédimentaire qui était déjà présente et assez instable, comme en Grand Banc, 1929, donc c'est au sud de Terre-Neuve. Je crois que c'est juste après le plateau continental, il y a eu un tremblement de terre au voisinage, je crois, alors dans mes souvenirs, magnitude 7,2, mais précisé, qui a induit la déstabilisation d'une grosse une source sédimentaire. Et c'est par effet un peu cascade, ce qui a généré un tsunami qui a été observé même à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Et voilà, donc il y a une grande hétérogénéité dans les sources à l'origine des tsunamis, et puis effectivement dans les impacts en fonction du fond marin et de leur géométrie, et puis de la géométrie aussi des côtes, de la présence de barrières de corail, par exemple, pour les îles. Enfin, Donc là encore, c'est étroitement lié, hein, tout à fait. Votre travail. Oui. On ne peut pas étudier l'aléa tsunami sans avoir une bonne connaissance du fond, de la géologie. Alors, à la fois des structures actives qui peuvent générer un tsunami, donc soit des tremblements de terre, soit des glissements de terrain, par exemple, ou éventuellement des structures volcaniques. Ouais. Et puis derrière, pour avoir une bonne estimation des modèles de tsunami, on a besoin d'avoir une belle image du fond marin. Et d'autant plus qu'on s'approche de la côte, si on veut bien estimer un impact potentiel d'un tsunami, on a besoin d'avoir une image fine de la bathymétrie. On appelle ça comme ça. Oui. Elle peut me demander, par exemple, le volume d'une couverture sédimentaire qui peut se déstabiliser ou qui s'est déstabilisée. Et ce volume-là, elle va le modéliser. Elle va l'entrer dans les modèles. Savoir si ça peut générer un tsunami ensuite. Voilà. L'équipe. Et donc Isabelle a cette information grâce au LIN sismique. L'équipe. grâce au LIN sismique, éventuellement, il y a des carottages qui sont faits pour tester la géotechnique de ces sédiments et voir si ils peuvent être déstabilisés ou pas. Donc, on a besoin de travailler, de sortir de nos spécialités et de travailler de manière un peu transverse. Et pluridisciplinaire, oui. Tout à fait. Bon, vous faites des métiers passionnants et du coup, on aimerait bien en savoir un peu plus sur vos aventures, vos anecdotes et comment vous en êtes arrivé là. C'est du coup la séquence en coulisses de Marine. Alors avant que vous nous racontiez vos aventures, j'ai un défi pour vous. Vous allez avoir chacune 30 secondes pour nous présenter vos parcours. Isabelle, on commence par vous. Dès que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce que vous êtes prête? Mettez-vous en condition. Après le bac, c'est bon, allons-y. Ok, alors top chrono. Alors après le bac, j'ai fait plusieurs universités. J'ai commencé par l'université de Saint-Étienne, après je suis allée à Lyon. J'ai fait l'ENS Lyon. Et après, je suis allée en Bretagne, à l'Université de Bretagne occidentale, où je me suis spécialisée pour le domaine maritime. Et après, je suis allée en Italie pour faire des spécialités sur le traitement sismique. Je suis revenue, j'ai fait l'Université Nantes en tant qu'enseignant ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et après, je suis arrivée au BRGM. J'ai fait différents travaux. Bravo, mais vous avez un petit peu triché, une seconde avant le début. on passe tout de suite à vous. Pareil, vous avez 30 secondes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. On relance le chrono alors. Alors moi, j'ai commencé par de la physique. Donc, j'ai fait une maîtrise de physique à l'université de Tours. Après, j'ai fait un DEA de géophysique à l'ENS à Paris et une thèse en géophysique où j'ai travaillé sur les grands tremblements de terre d'Amérique latine, en particulier du Chili. Et après, j'ai enseigné un an en tant qu'ATER aussi à Strasbourg. Je suis allée en post-doctorat au Chili. Et puis, je suis arrivée au BRGM, où je travaille dans l'équipe risque sismique et volcanique et aussi dans l'équipe tsunami. Bon, bah, parfait. Bon. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de jouer le jeu. Maintenant, on veut quand même un peu plus de détails sur vos parcours et votre travail au quotidien. Isabelle, par exemple, votre amour pour les fonds marins, il vous vient du fameux commandant Cousteau, grand explorateur des mers et des océans. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus?
Bah alors, avant tout, je voulais être exploratrice. Donc voilà. Ça vient de là. Et Cousteau, je trouve, ses émissions montraient qu'il allait dans des différents pays et je trouvais ça extraordinaire. Quoi. Donc j'ai écrit et je voulais savoir comment je pouvais faire pour devenir le commandant Cousteau. Voilà, à peu près, voilà, c'est ça. Et ils m'ont écrit et ils m'ont dit de faire une faculté de biologie. Et bizarrement, moi, je l'ai fait. Et après, j'ai bifurqué parce que j'ai découvert la géologie. Alors aujourd'hui, c'est vous qui explorez les fonds marins. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être la première à explorer une zone ou d'avoir peu d'informations sur une nouvelle région? Alors, non, quand même, ce serait prétentieux. Non. En fait, avant d'explorer une zone, enfin d'aller sur une zone, parce qu'il y a un intérêt, on fait tout un travail bibliographique. Mes prédécesseurs, en fait, ont fait des rapports, ils ont fait des cartes, c'est superbe, quoi, voilà. Et il arrive que parfois, on s'aperçoive qu'il y a une zone ou deux qui n'ont pas de données, qu'on ne sait pas, en fait, voilà, on ne connaît pas. C'est quand même un peu l'inconnu. Oui, parce qu'on est toujours... c'est passionnant de découvrir ces images-là qui arrivent en temps réel, comme ça, et on découvre le sous-sol, l'architecture du sous-sol. Voilà, et là, on se dit, il y a ça. On va peut-être changer notre plan de position parce que, là, c'est intéressant. Il y a un intérêt, il y a des enjeux, voilà. Et dans ces cas-là, vous faites comment? Vous vous déplacez en aveugle? Vous faites appel aux locaux? Alors, l'objectif, c'est de trouver un navire. Un navire, donc... C'est déjà un alors, bon début. Si on fait vraiment des études... Enfin, comment dire, il y a des études... des projets scientifiques vraiment d'envergure. Donc là, on fait appel, on fait des dossiers, on fait appel aux moyens nautiques de la flotte océanographique française. Et puis, dans des zones un peu plus difficiles d'accès, où des gros navires ne peuvent pas aller, on demande aux locaux s'ils n'ont pas un petit bateau. Vous débrouillez avec les moyens du bord. Voilà. Et on demande aux locaux s'ils connaissent leur région. Enfin, voilà, on interroge beaucoup et c'est passionnant. Et on a nos collègues aussi qui sont en région, qui nous aident vraiment beaucoup. Alors, les expéditions à des milliers de kilomètres, ça fait rêver, c'est sûr. Ouais. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut quand même s'accrocher. Vous travaillez toute la journée, parfois sur des petits bateaux de pêche, vous le disiez. Mmh. C'est compliqué de transporter le matériel, les nuits sont courtes et il faut savoir s'adapter aux imprévus. Est-ce qu'on ne peut pas dire que votre deuxième prénom, c'est un peu MacGyver? Oui, mais MacGyver est quand même... il y arrive plus facilement. Vous avez des exemples de moments où vous avez dû improviser comme ça? Je dirais qu'en Nouvelle-Calédonie, avec une collègue... elle se reconnaîtra. On avait un petit bateau et on avait un vieux ordinateur et il est tombé en rade en fait. Et donc on s'est retrouvé à devoir le démonter pour trouver la carte graphique, essayer de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. C'est devenu informaticienne là d'un coup. Alors non, parce que ça n'a pas fonctionné. Donc on a demandé l'aide des locaux. Enfin, il y avait une université et ils avaient des vieux ordinateurs. Ils avaient ces vieux instruments aussi. Donc on a été aidés. En fait, c'est ça la magie, c'est-à-dire que il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Et parfois, c'est les requins qui mangent le matériel. Ah oui, là, c'est difficile de réparer. On répare pas. Ou alors, on répare un peu. Ça dépend du matériel, en fait. Il y a des moments, ils cassent tout, effectivement, et puis d'autres... Mais ils mangent quoi, typiquement? C'est ce que vous mettez à l'eau, par exemple, pour faire la sismique réflexion? Par exemple, lorsqu'on a du petit matériel, pour que la flûte sismique, en fait, les capteurs restent sur une seule et même ligne droite, moi, j'ai tendance à mettre quelque chose au bout pour que ça tire un petit peu, une sorte de serpillière, ce qu'on a à bord, en fait. Et bon, j'avoue, ça frétille un peu, donc les requins, ça les attire un peu. Anne, vous aussi, vous allez sur le terrain, et il y a un voyage qui vous a beaucoup marqué, c'est le Chili. Vous êtes allée à quelle occasion? Alors, à l'issue de ma thèse, j'ai fait, ça s'appelle un post-doctorat, c'est un CDD pour faire un travail de recherche. Et comme pendant mes travaux de thèse, j'avais travaillé sur certains grands tremblements de terre chiliens, j'ai eu cette opportunité d'aller continuer ce travail sur place. Et vous retenez quoi du Chili? Le fait que c'est un pays assez extraordinaire. Déjà, moi, adolescente, j'étais frappée par sa géographie. Donc, c'est un pays tout en longueur, sur plusieurs milliers de kilomètres de long, qui connaît, qui est plein d'extrêmes, avec certains climats extrêmement secs ou au sud très très humides. Et donc, c'est un pays vraiment assez extraordinaire.
Et puis en tant que sismologue, c'est aussi un pays, alors on pourrait l'appeler un laboratoire naturel, mais c'est peut-être faire offense aux Chiliens, mais en tout cas, il y a de grands tremblements de terre qui se produisent de manière récurrente, et le fait de travailler au Chili, ça permet d'avoir accès à des données auxquelles on n'a pas accès aussi sur d'autres territoires un peu plus lents, entre guillemets. Et voilà, donc pour un sismologue, travailler au Chili, c'est passionnant. Alors après la collecte, les données, il faut les analyser. Et là encore, il faut être créatif. En préparant cette émission, vous m'avez expliqué que souvent, vous deviez créer vos propres outils d'analyse et que vous deviez les adapter à chaque projet. C'est quelque chose qui vous plaît, ça, ce côté un peu adaptation, création? Oui. D'autant plus que je suis obligée de ne pas le faire seule parce que je ne suis pas numéricienne aguerrie. Donc, en fonction des besoins qu'on a, on va effectivement adapter des outils. Alors, si on est capable de le faire soi-même, on peut le faire. Puis, on va faire appel aussi à des collègues qui font des mathématiques appliquées, par exemple, qui développent des modèles numériques. Des outils informatiques, par exemple. Voilà. On parlait de tsunami tout à l'heure. On utilise des modèles de simulation numérique de la propagation. Enfin, qui simule la propagation à travers un bassin en allant jusqu'à la submersion. En sismologie, c'est la même chose. Pour estimer ou modéliser un mouvement sismique, on a besoin de passer par des modèles numériques. Et donc, effectivement, en fonction de nos objectifs scientifiques, on doit avoir des outils qui répondent à ces objectifs qui ne sont souvent pas forcément complètement adaptés à nos besoins. Et donc, voilà, on est confronté parfois à des blocages qui n'en sont pas. Ça permet d'aller de l'avant et puis de trouver de l'aide éventuellement aussi à côté. Un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la place des femmes dans vos métiers. Isabelle, au début de votre carrière, vous étiez souvent la seule femme dans les campagnes sur le terrain. Anne, c'est pareil, vous m'avez confié que pendant vos études de physique, il y avait peu de représentations féminines. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ça a changé? Oh oui. Oui, quand même. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que la dernière campagne qu'on a faite, on était 3 chefs de mission femmes. Donc, en fait... Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes filles, aux femmes qui regardent et qui rêvent aussi d'aventures comme vous? Tout est possible. Les seules limites, c'est celles qu'on se pose, en fait. Oui, en fait, il ne faut pas trop écouter. Je pense qu'on peut être... déjà, avoir une vie qui nous convienne, la vie professionnelle prend quand même une part importante dans la vie de chacun. Et il ne faut pas trop se mettre de barrières. Et si quelque chose nous enchante et nous fait vibrer, je pense qu'on peut briller dans ce domaine-là, et qu'on soit fille ou garçon. Ou garçon, en fait. Homme ou femme. En tout cas, je pense qu'il faut se laisser aller, effectivement, ouais. Entre guillemets, à ce qui fait vibrer chacun, quoi. Ouais. Et il y a l'échange, en fait, aussi. Beaucoup d'échanges dans ces métiers. Bon message. Très bien, merci. Je pense que le message est passé. Alors, avant de se quitter, vous allez nous partager quelques recommandations culturelles. On a l'habitude de demander ça à nos invités. Vous n'allez pas échapper à la règle. C'est la reco des invités. Alors, Isabelle, vous avez souhaité nous partager un classique de la littérature. C'est un livre de Jules Verne, c'est ça? C'est ça. Voyage au centre de la Terre. C'est ça. Merci. Alors, pourquoi ce livre en particulier? Qui n'a pas rêvé de voyager au centre de la Terre? Et bon, la sismique, c'est un petit peu un moyen d'aller sous la Terre, enfin sous le fond marin ou sous la surface de la Terre. On n'y est pas encore. Non. Voilà. Mais c'est un moyen de voir ce qu'il y a. Voilà. Et vous, Anne, c'est un autre livre? Oui. Le monde du bout du monde. De Luis Sepúlveda. C'est moins évident, on sent qu'il y a l'exploration, le voyage, mais on connaît moins. Je vous parlais tout à l'heure de la géographie du Chili. En fait, c'est un livre qui se passe au sud du Chili, donc au nord du Cap Horn, en fait, en Patagonie. Et donc, on y parle de cette région qui est incroyable. Franchement, regardez, rien qu'une carte de la Patagonie, il y a des canaux incroyables dans tous les sens. Il y a des glaciers qui tombent dans la mer. Il y a des, oui, effectivement. Ouais. Et donc, c'est un monde de marins aussi. Ça parle beaucoup de marins et de mer, de pêche, de surpêche, de protection de la nature. C'est un livre qui m'a beaucoup plu et qui se passe aussi au Chili avec, de manière assez délicate, le rappel de ce qu'a vécu le Chili. Le personnage principal a quitté le Chili suite au coup d'État qui a frappé le Chili en 73. Donc, c'est un petit livre qui est très riche et qui
voilà, qui m'a fait que voyager. Vous avez vécu aussi un peu ce que vous avez. Oui, alors je n'ai pas fait de pêche à la baleine quand j'étais au Chili, mais oui, non. Par contre, les paysages, oui, ça m'a vraiment parlé. Et moi, j'ai toujours été fascinée par. Enfin, il y a longtemps que je suis fascinée par la Patagonie, et je trouve que ce livre lui fait honneur. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ces recommandations. Merci aussi d'être venu sur le plateau de Science en Question pour toutes ces explications. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes et d'autres explorations scientifiques. Ciao les sorciers.